devant le silence des rappeurs français face aux injustices, découvrez notre nouvelle chronique appelée « Les rappeurs ne s'engagent pas, on le fait à leur place ». Voici le premier épisode, le remix 2023 d'Hardcore d'Idéal J. Vous êtes prêts ou quoi ? Hardcore ! Hardcore ! Jusqu'à la mort ! Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. Mais j'entends pas de réaction de l'Occident dans la foule. C'est la merde et les médias perdent la boule. Qu'ils essaient pas de nous faire croire que le monde part pas en couille. Je répète, dès que je fais ce morceau, ça part en couille. Mais j'entends pas de réaction de l'Occident dans la foule. C'est la merde et les médias perdent la boule. Qu'ils essaient pas de nous faire croire que le monde part pas en couille. Alors qu'hardcore est critique et la vie des Gazaouis. Hardcore! Des civils sont bombardés toutes les nuits. Hardcore! Comme un peuple qui vit dans une prison. Hardcore! Et qui bientôt sera menacé d'extinction. Hardcore! Les réactions de gens qui n'ont rien à perdre. Hardcore! Les intégristes qui veulent détruire Israël. Hardcore! L'attaque du 7 octobre par le Hamas. Hardcore! Des femmes et des enfants retenus en otage. Hardcore! La réplique meurtrière de Netanyahou. Hardcore! Et ses ministres qui disent des trucs de fou. Hardcore! Des êtres humains traités comme des animaux. Hardcore! Un fil d'actuerie sur les réseaux sociaux. Hardcore! Un médecin Gazaoui qui perd toute sa famille. Hardcore! Son père, sa mère, sa femme, son fils, sa fille. Hardcore! Le nombre de bombes qui augmente tous les soirs. Hardcore! Le nombre de morts qui nous hantent tous les soirs. Hardcore! 31 jours qu'on demande un cessez-le-feu. Hardcore! 31 jours que le monde se cache les yeux. Hardcore! L'ONU parle mais n'envoie pas de casque bleu. Hardcore! Et nous on regarde en espérant que ça aille mieux. Hardcore! En France, les médias rajoutent de l'abjection. Hardcore! Les musulmans doivent se plier à l'injonction. Hardcore! Les journalistes français condamnent le racisme. Hardcore! Mais seulement s'il s'agit d'antisémitisme. Hardcore! On différencie les victimes sur les plateaux. Hardcore! Les bébés morts sont des dommages collatéraux. Hardcore. Les fachos vomissent et ne sont jamais repus. Hardcore. Ces médias sont des chaînes de fous en continu. Hardcore. Hardcore comme reconnaître ses torts. Hardcore. Les gens sont passionnés de vidéos gore. Hardcore. Ces reportages qui nous touchent en plein cœur. Hardcore. Sera le chiffre de vente d'antidépresseurs. Hardcore. L'ambiance en France est mortifère. Hardcore. Pour dormir, on a besoin de somnifères. Hardcore. Si au moins il y avait des trucs marrants. Hardcore. Mais lol sur Amazon, c'est aussi déprimant. Hardcore. Les Arabes et les Noirs sont traités comme des merdes. Hardcore. Ne croyez jamais avant que Naël décède. Hardcore. Certains comme Pascal Pro veulent créer l'apartheid. Hardcore. Les Français d'origine veulent repartir au bled. Hardcore. La laïcité n'est pas un exutoire. Hardcore. Qui permet d'insulter les Arabes et les Noirs. Hardcore. Sera l'ambiance tant qu'ils n'auront pas compris. Hardcore. Qu'une Française peut aussi s'appeler Absatoussi. Hardcore. La liberté d'expression s'est elle-même censurée. Hardcore. Remplacée par la liberté d'agresser. Hardcore. Heureusement, il reste un espace de liberté. Hardcore! Longue vie aux 30 Glorieuses et à ses abonnés! Hardcore! Hardcore! Hardcore 2023! Et encore, l'année n'est pas finie! Hardcore. Tous les jours, écoutez et offrez le meilleur podcast de France. Aux 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Alors là, ah. Là franchement, je la ferai dimanche. Si t'étais noir, on ferait des zéniths.